Golf Mag est une présentation de Toiture Hug. Soyez couverts d'expérience. Golf Mag est enregistré sur les sites du manoir Richelieu à La Malbaie. À l'émission cette semaine, j'ai décidé de vous amener dans une région que j'affectionne tout particulièrement. En fait, je viens dans Charlevoix depuis plus de 30 ans et Golf Mag sera consacré à un parcours de golf qu'on retrouve à La Malbaie. C'est le club de golf Fermont-Manoir-Richelieu. Il y a des points de vue extraordinaires sur l'ensemble des 27 trous de la propriété et avec comme toile de fond, vous le voyez bien sûr, notre majestueux fleuve Saint-Laurent. Et qui plus est, j'aurai la chance de jouer le trou de la semaine avec un ami. C'est le directeur de golf et pro ici, Jean-Philippe Moffett. Bon Golf Mag! L'expérience de golf débute par la traversée d'un sentier panoramique exclusif, reliant directement l'hôtel au pavillon du club. Les golfeurs empruntent un chemin boisé et montagneux, proposant une vue exceptionnelle. Cette façon peu commune de se rendre au chalet d'accueil nous laisse entrevoir que Fairmount, le manoir Richelieu, nous convie à une expérience de golf extraordinaire. Le meilleur conseil que je peux vous donner lorsque vous viendrez jouer ici au Fairmount, le manoir Richelieu, c'est de prendre le temps d'analyser chacun de vos coups roulés. Pourquoi? Parce que je vous dirais que c'est l'une des principales caractéristiques du parcours, c'est la difficulté de bien lire les verres. Ça prend plus d'une visite pour se familiariser avec ceux-ci, parce que je vous dirais qu'ils sont de belles dimensions, mais ils offrent une forme de complexité compte tenu de la présence de la montagne, du fleuve et de la baie derrière moi. Alors, il faut vraiment analyser la situation parce que souvent, on a l'impression d'avoir un roulant montant. Mais si le fleuve est là, ça va être un roulé rapide. Alors, il y a beaucoup d'analyse, de compréhension et de lecture afin de bien apprécier le parcours. Je vais essayer de la mettre dedans et je vous laisse là-dessus sur les conseils de notre pro Jérôme Blais. Oh! Elle va tomber la prochaine fois. Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du Golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Bromont. Bonjour, aujourd'hui, je vous propose d'utiliser un nouvel outil que j'ai mis dans mon sac, c'est-à-dire un marteau. Dans la vie de tous les jours, tout le monde utilise, règle générale, quelques fois dans l'année, un marteau pour soit installer un cadre ou clouer un clou sur une planche. Si je veux installer un clou sur une planche et le frapper devant moi, je vais frapper de cette façon-là. Maintenant, si le clou est sur le mur à côté de moi, je ne vais pas simplement tourner le marteau dans mes mains et essayer de cogner de cette façon-là. Instinctivement, je vais simplement changer l'angle d'attaque, dans le fond, changer l'angle pour garder toute ma puissance pour pouvoir frapper avec force afin de rentrer le clou. Et cette position-là, qui est comme un petit peu naturelle pour la plupart des gens, ressemble beaucoup à comment on doit arriver à l'impact avec le bâton. Maintenant, je vous le montre avec un vrai bâton. Je m'installe, je fais mon élan arrière et lorsque j'amorce la descente, je veux arriver avec des angles d'attaque similaires avec celles que j'avais avec le marteau tantôt. Ce que je veux faire, c'est frapper le côté de la balle et non pas frapper le dessus de la balle. Donc, je veux vraiment arriver de cet angle-là. Je reviens droit à l'impact, je laisse aller le fouet de mes poignets et je termine en équilibre. Donc, faites l'exercice à la maison, utilisez un marteau, simplement pour voir comment naturellement vous allez vous adapter pour frapper le clou de côté. Et vous allez pouvoir vous en inspirer pour avoir la bonne action au niveau de l'impact avec votre bâton. Bon golf!
Rencontrons Jean-Philippe Moffett, directeur du club de golf Le Manoir Richelieu. Il célèbre cette année son 22e anniversaire, pas de naissance, la petite barbe blanche. Mais 22 ans d'association ici avec Le Manoir Richelieu au club de golf. Jean-Philippe Moffett, qui est devenu, on doit le dire, un ami au fil des ans. Donc, c'est un peu particulier de t'interviewer parce que t'as l'habitude de prendre une bière, manger ensemble, jaser de nos vies. Jean-Philippe, parle-moi un peu de ta cour arrière, l'endroit où tu œuvres depuis plusieurs années maintenant. C'est ma cour arrière, mais c'est notre paradis ici. Venir travailler ici, c'est un plaisir à tous les jours, non seulement pour l'équipe, les clients, mais ce qu'on apprécie à tous les jours, c'est le fleuve, c'est la nature. Et les gens me posent souvent la question, est-ce que tu vois encore ça aujourd'hui? J'espère. Après tant d'années. Est-ce que tu vois encore ça? Donc, la réponse est oui, je le vois tous les jours. Et c'est important d'en profiter de ça parce que c'est pas mal unique à notre région, à notre place, à notre terrain de golf. On a 3-9 trous à offrir à notre clientèle, donc c'est une combinaison de trois séquences différentes. Ce qu'on vit depuis quelques années, les gens connaissent nos parcours maintenant, donc ils nous le demandent quel parcours qu'ils veulent jouer. Fait que c'est plus facile pour nous autres bien les diriger maintenant. Le Saint-Laurent demeure votre 9 trous signature. Effectivement, il est inclus dans toutes nos séquences. Il y a le fleuve Saint-Laurent, mais il y a aussi ce qui est typique à Charlevoix, c'est le bois et la roche. Ouais. Et il y en a beaucoup d'écrans de roche, des espaces de roche aux alentours des trappes de sable et évidemment le fleuve à perte de vue 360 degrés sur tous nos trous. Puis quand on parle de difficultés ici, c'est surtout au niveau des verres. Mais pour moi, ils sont pas si difficiles que ça. Je pense que ça prend juste un peu plus de connaissances et d'attention. Bien, il faut venir le jouer 2-3 fois, ouais. Et on le connaît après le parcours. Donc, c'est de comprendre ce qu'on ne voit pas. Hein? On sait, la balle, c'est dur à voir. Il y a une pente qui s'en va vers la montagne, mais finalement, la balle reste droite. Donc, il y a vraiment une attirance vers le fleuve et la baie. Il faut faire attention selon notre position sur le parcours. La balle peut aller vers la baie de la Malbaie ou sinon vers le fleuve Saint-Laurent qui se trouve derrière nous ici. C'est particulier. Tes trous préférés, quand tu le joues, là, c'est quoi? Mes trous préférés, bien, effectivement, on ne peut pas passer par-dessus le trou numéro 1 du parcours Saint-Laurent qui est... Écoutez, j'adore prendre mon café là le matin, là, avec les levées du soleil. Puis je suis vraiment un fan du vieux parcours aussi parce qu'on retrouve beaucoup, malgré les rénovations, on retrouve beaucoup l'essence du parcours original. Et puis ce trou-là ici, le 4 du parcours Richelieu, ouais. C'était probablement un des trous les plus spectaculaires à l'époque du parcours, à l'exception du trou numéro 1. Et quand on vient jouer, on l'a amélioré parce que pour ceux, les vieux de la vieille, comme qu'on va dire, il y avait une grosse butte, on voyait pas le verre, on voyait pas le fleuve. C'était un peu à l'aveuglette. C'était à l'aveuglette. Puis là, on l'a dégagé ici. Il y a eu vraiment de l'excavation qui s'est faite. Regardez comment profiter de ça. Et je me sens bien dans ça, dans ce vieux parcours. Parmi toutes les réflexions qui ont été faites ici au club de golf, il y a une attention particulière qui a été mise sur les fosses de sable. Notre gros point faible était les trappes de sable. Et puis, depuis 3 ans, on a commencé à faire la réfection des trappes de sable. Évidemment, on aimerait tous faire ça comme ça, un clin d'œil, puis que les 100 trappes de sable soient rénovées. On en fait peut-être une vingtaine par année. Donc, c'est un projet sur 5-6 ans. Déjà, en 2020, on n'entend plus parler des trappes de sable, qu'avant, il y avait de la roche, de la contamination. Hein? Et veux pas, les trappes de sable, le terrain avait été construit en 2002, le parcours Saint-Laurent. Donc, après 15 ans des trappes de sable, c'est dû pour être fait. Puis, évidemment, bien, c'est un sol qui était naturel, qu'on a modifié. Et le cran jouait beaucoup. Hein? C'est du cran qui est friable. Donc, c'est venu déchirer les toiles, tout ça. Donc, on a tout refait ça complètement, puis on voit vraiment la différence. On va jouer un trou de signature ensemble aujourd'hui. On va jouer un trou de signature. Lequel? Sur le vieux parcours, sur le 3 Richelieu. Excellent. Voici maintenant notre trou vedette de la semaine, une superbe normale 3. Ça a l'air beau, ce petit par 3-là. Magnifique normale 3, ouais, avec beaucoup d'histoire. Ah, on va aller voir ça. Jean-Philippe, la dernière fois qu'on t'a vu à Golf Mag, si ma mémoire est bonne, t'as fait le trou signature avec notre ancien animateur, Simon Saint-Arnaud. Exactement. Ça remonte à quand, t'as suivi? Plusieurs années. Ah oui? ça fait longtemps. Et quel trou vous aviez fait, t'as suivi? Notre trou signature, le trou numéro 1 du parcours Saint-Laurent. Ah, puis qui devait être à peu près tout neuf à l'époque. Écoutez, quelques années après l'ouverture de ce parcours. Ah, c'est le fun. Mais là, comme trou signature cette semaine à Golf Mag, vous avez choisi de nous faire jouer... Une des belles normales 3 des 27 trous que vous avez sur la propriété, c'est quel trou exactement? C'est le trou numéro 3 du parcours Richelieu. Écoutez, c'est une belle petite normale 3 qui n'est pas très longue, qui peut quand même apporter certains défis. Ouais. Mais ce que j'aime beaucoup de ce trou-là, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires. On y retrouve tout ce qu'il y a au manoir Richelieu, soit les montagnes, le fleuve et l'eau. Donc, on retrouve tout ça ici sur cette normale 3-là, avec un verre qui est extrêmement bien protégé par des fosses de sable et de belles ondulations pour les coups roulés. Avec évidemment une belle végétation et puis un lac qui est omniprésent devant nous, qui pour certaines personnes peut être intimidant. Puis aujourd'hui, je ne sais pas si vous nous attendiez, mais vous avez positionné le drapeau à ce qui m'apparaît comme... Ben, c'est un peu chien comme position. C'est comme à court, en avant...
Puis il me semble que ça peut être une pine dangereuse. Ça peut être une pine très dangereuse comme très payante. Hein? Donc, on a les fosses de sable qui protègent vraiment bien la pine. Mais c'est un trou qu'on va jouer aujourd'hui, qu'on va attaquer le drapeau. C'est ça qu'on va faire. Parce que si on frappe, bon, on va probablement frapper un fer assez court. Hein? On n'a pas un long coup à frapper, une 130 verges approximativement. Et on veut attaquer le drapeau. C'est ce qu'on veut faire ici. Éviter la trappe de sable, parce que derrière la trappe de sable, il y a une petite butte. Donc, si on tombe dans la butte, c'est certain qu'on va se retrouver à l'arrière du verre. Si on tombe trop dans le fond, la balle va probablement rester là tellement qu'on est haut, quand même qu'on y ajoute de l'effet sur notre... OK, c'est intéressant. Bon, mais écoute, tu parlais de nos bâtons. Moi, j'ai amené un 50 degrés pour 130 verges avec... On est un petit peu plus surélevé. Je pense qu'un élan 3 quarts, ça devrait aller. Toi, t'as amené quoi? Un 52 degrés. 52, je pense que ça va faire le travail. Même technique. On y va pour le trou d'un coup. On y va pour le trou d'un coup. J'aimerais tellement ça popper le champagne au manoir Richelieu avec toi. Extraordinaire! Allez, JP. On va peut-être fêter, Daniel. Ah oui, donc! Excellent. Allez! C'est là, ça? Allez, il manque un petit peu de distance, mais je vais avoir un beau roulé en ascendant. OK, bon, parfait. Je vais essayer ça. J'aimais la trajectoire que tu as pris. En tout cas, c'était pas mal, ça. C'était en ligne avec le trou. Tu t'es pas... J'aurais pu lui en donner un petit peu plus. OK. Alors, moi, je vais y aller 3/4 d'élan avec 2 degrés de moins, en fait. Oh, ça va être très proche et... Wow! Superbe, Daniel! Juste un petit peu court aussi, hein? Ça va être sur le verre, mais juste en bas du trou. Ah, ben je vais prendre ça là. Un beau pot ascendant, encore une fois. On a des chances de bird. J'aime ça. Hey, Jean-Philippe, on est côte à côte. Côte à côte, hein? On avait... prédit ça. On voulait le trou d'un coup, les deux. Finalement, on est deux à côté de l'autre. Mais on sent vraiment la pente, hein? J'ai l'impression qu'on a raté la cuvette de pas grand-chose à droite. Bien, il fallait vraiment aller du côté droit. On se souvient, en haut, on parlait de la butte derrière le verre. Donc, on est pénalisé si on frappe trop à gauche de ce trou-là. Ah, puis Jean-Philippe, notre roulé est pas donné, comme on dit, là. Il reste du travail à faire pour mettre ça dedans, là. Beaucoup de travail à faire, hein? Puis ce qu'on va vivre ici, c'est la chose que les gens ont de la misère à concevoir et à comprendre, nos manoirs Richelieu. On a le fleuve Saint-Laurent de deux côtés. On a l'impression que notre cou roulé est droit. Ouais. Mais dans le fond, on a une courbe beaucoup plus majeure qu'on le pense. Et la montagne, le fleuve, le grain des verres, je veux dire, il y a tout plein de facteurs à considérer, là. Attraction magnétique, hein? Donc, on s'en va tout le temps vers le fleuve. Il faut faire attention. Il y a le fleuve et la baie quand on joue au manoir Richelieu. OK. Bien là, notre roulé ici, c'est clair pour moi qu'il s'en va vers la gauche. Là. Exactement. Daniel, le mien va probablement faire avoir un 10 pouces de droite à gauche. Le tien, tu vois la marque brune? Va nous montrer à peu près où tu... Faut juste montrer où tu vas poter, là. Donc, toi, Daniel, là, la marque brune, c'est probablement ton point de repère ici. Donc, on parle d'un 6 pouces au moins de droite à gauche. Puis toi, un petit peu à droite. Et puis moi, je vais aller un petit peu ici. OK, parfait. Bon, ben c'est pas compliqué, il faudrait juste à mettre ça dedans. C'est facile, puis il sera pas trop rapide, c'est... Il va prendre la vitesse, hein? Encore là, on a le fleuve Saint-Laurent d'un côté, même si on a l'impression d'être ascendant, il prend toujours de la vitesse vers le fleuve. Parfait. C'est la caractéristique numéro un ici au manoir Richelieu. C'est sûr qu'il y a des gens qui sortent d'ici avec des maux de tête, des fois, hein? Exactement, et ils veulent changer leur fer droit. Faut juste revenir plus d'une fois. Allez, mets ça dedans. Mais effectivement, quand on a compris les verres au manoir Richelieu, La partie s'ensuit. Ben oui. Parce que c'est un terrain qui est très accessible, ouvert pour monsieur, madame, tout le monde. Coup de patte. Oh! OK. Je te concède où tu peux la finir, c'est comme tu veux, mais. Je vais la finir. Je te laisse le chemin. Terminer ça en beauté. Ben oui. C'est normal. Excellent. Allez, Daniel. Fais-tu ton coup roulé? OK. Ben alors, je vais me fier à ce que JP me dit. Le point brun ici, il faut que ce soit ma cible. OK. Ah! Ça a passé proche.
Pas assez proche, mais c'est ça. Les caractéristiques du manoir Richelieu. Ben hein? Oui, hey, JP, ça a été super le fun. Daniel, merci beaucoup de votre visite et votre présence chez nous. Écoute, on invite les téléspectateurs à venir faire un tour parce que c'est une super journée, puis il y en a plein des belles journées durant la saison. Exactement, ce n'est que des belles journées dans Charlevoix et au manoir Richelieu. Génial, merci. Merci. Jouer au manoir Richelieu, c'est jouer un parcours classé 4 étoiles par la classification des terrains de golf du Québec. On vous revient après cette pause. La Malbaie marque les origines de la villégiature au Canada. Dès 1760, les seigneurs écossais recevaient des visiteurs dans leur manoir. Les visiteurs naviguaient alors jusqu'à la Malbaie à bord de bateaux à vapeur, ces luxueux palais flottants. C'était l'époque des bateaux blancs, qu'on a désigné comme la belle époque de Charlevoix. Évidemment, comme je joue au golf depuis plus de 35 ans, j'ai connu le parcours original de 18 trous du Fairmount Manoir Richelieu. La bonne nouvelle, c'est que lorsque ça a été rénové il y a plus d'une quinzaine d'années par Daryl Oxum, il a su conserver l'essence de l'architecte original, le Britannique Herbert Strong. Évidemment, il y a eu du dynamitage. On a travaillé énormément pour concevoir 27 trous. Mais en somme, on a su conserver le côté harmonieux de l'environnement. Évidemment, il y a beaucoup de fosses de sable maintenant sur le terrain. Ça demeure un parcours accidenté où on doit constamment faire attention sur comment on se place. Mais c'est toujours très agréable. Et quelle que soit la séquence choisie, là, que ce soit Richelieu, Tadoussac, Tadoussac-Saint-Laurent, ça demeure un test de golf honnête qui peut se jouer de 6000 à 6300 verges. Et c'est pourquoi j'aime venir ici, parce qu'en plus de ça, vous le voyez, le décor est fabuleux. Voici la chronique Équipement, une présentation de Mulligan Centre du Golf, maintenant à Belle-Oeil et au quartier 10-30. Cette semaine, dans notre chronique d'équipement, on va parler des bâtons Wilson. On va regarder les cocheurs qui sont offerts cette saison avec Wilson. C'est vraiment des bâtons qui sont pas dispendieux. On a deux modèles qui vont être offerts. Wilson Saf Marlow, HT, Aito. On va avoir vraiment les rainures qui vont faire la face au complet. Ce qui nous permet d'aller chercher un petit peu plus d'effet, un peu plus de spin à notre balle, même si on manque notre frappe, on va frapper un petit peu plus sur les orteils. Le deuxième modèle, c'est le Staff Model. C'est un bâton qui est un peu plus pour un player, un joueur avec un plus bas handicap. Avec le Staff Model de Wilson, on va avoir une face qui est forgée, ce qui va vraiment nous permettre d'avoir une sensation très douce à l'attaque. C'est un bâton qui est aussi facile à jouer. Wilson va vraiment attaquer au niveau du prix pour aller chercher une clientèle qui ne veut pas payer le prix pour une qualité supérieure. Mais avec Wilson, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on va justement avoir la même qualité, mais juste en réduisant les coûts pour le même bâton pratiquement. Tout dépendamment de ce qu'on a besoin, avec les cocheurs de Wilson, on va retrouver différents degrés, 52, 56 et 60 degrés. Tout dépendamment, c'est quoi la distance qu'on a de besoin dans notre sac, on est capable de choisir un degré qui est vraiment utile à notre sac pour aller attaquer des greens plus facilement. On sait que le jeu court, c'est pas mal le plus important dans une game ou qu'on peut scorer le plus, comme que je pourrais dire. Fait que c'est important d'avoir un bon équipement à ce niveau-là. Là. Se dressant majestueusement entre mer et montagne et à peine 90 minutes de Québec, Fairmount, le manoir Richelieu, vous accueille avec une riche tradition d'hospitalité qui allie le charme paisible de la nature et l'élégance d'un centre de villégiature historique. On y compte 405 chambres et suites luxueuses offrant toutes les commodités recherchées. Les suites sont magnifiques et proposent soit une chambre ou deux chambres. Elles ont tout un salon ainsi qu'une salle de bain en marbre et un grand canapé-lit. Elles offrent des vues sur le site et les terrains du manoir. Le manoir, c'est aussi une offre de restauration pour tous les goûts. Du bistrot à la salle à manger offrant un service hors pair, la gastronomie est omniprésente. Le clubhouse du club de golf vous offre une alternative pour vos repas, pour prendre un verre après votre partie de golf ou pour admirer la vue à couper le souffle. Directement à côté du manoir Richelieu, on retrouve le casino de Charlevoix. C'est un attrait indéniable de la région. Le Fairmount Manoir Richelieu, c'est beaucoup plus que du golf parce qu'après votre ronde, vous pouvez profiter de tout plein d'activités. Je pense entre autres aux deux piscines, une intérieure, une extérieure. Il y a peut-être des adeptes de tennis qui voudront aller s'amuser sur l'un des courts qui sont à leur disposition. On retrouve aussi un centre d'équitation, un centre de santé pour se faire masser, se faire dorloter. Et puis bien sûr, l'hiver, il y a la proximité de la montagne, le Mont-Grand-Fond, et puis des sentiers de motoneige à perte de vue.
Alors, merci de nous avoir suivis cette semaine. Je vous invite à aimer notre page Golf Mag Facebook et en espérant vous retrouver dans un décor tout aussi grandiose pour une prochaine émission. Allez, bonne semaine et bon golf! Suivez Daniel Melançon sur Twitter. Aimez notre page Facebook. Golf Mag vous a été présenté par Toiture Hogg. Soyez couverts d'expérience. Golf Mag a été enregistré sur les sites du manoir Richelieu à La Malbaie.